pas à battre ses fâches, Miag. Ni même à s'approcher de leur QG. Et c'est toi qui vas prendre le château tout seul? Imagine leur tête si on arrivait à se faufiler par arrière et qu'on le capture. Ce sera quelque chose à raconter à nos enfants, Grissa. Surtout toi qui es très vieux maintenant. À leurs yeux, on passera pour des rois. Tiens, petit frère. Des émetteurs radio là-bas et des canons de campagne sur cette colline. Ça va être un sacré boulot de tout saboter. Démé, prends ce lance-fusée. Tire avec pour nous dire d'attaquer. Attends le bon moment pour tirer la fusée et nous dire d'attaquer. Nos vies sont entre tes mains. C'est la guerre, une grosse machine dégueulasse, sans répit, sans pitié. Une fois dedans, il n'y a que deux solutions, la mort ou la survie.
Ce canon n'est pas prêt de tirer maintenant. De ces canons. Les Allemands avaient tout, et on n'avait presque rien. On devait donc voler leur équipement pour l'utiliser contre eux. Il y avait forcément des explosifs dans les environs. Facile. Ces chiens!
On doit se débarrasser de ces canons. Il faut qu'on soit fort. Ne bouge pas! Poussez plus fort! Écarte-toi! Écarte-toi de la porte! On va utiliser ce canon! On y va! N'étaient pas des soldats d'élite super équipés comme les Allemands. Contrairement à eux, on n'avait pas d'armes de pointe et on s'était pas entraîné pendant des années. Mais on avait la volonté de gagner quel que soit le prix. Et la victoire nous a coûté cher, en sang, en sacrifice et en vie humaine. Thank you.
Idrissa. Oh mon Dieu. Idrissa. Réponds-moi. Idrissa. Regarde, Idrissa. Nous sommes des rois. Nous sommes fiers de vous et de ce que vous avez accompli. Merci, mon commandant. Faisons une photo pour la postérité. Quand l'armée française a libéré Paris, ils ont retiré tous les soldats noirs. Ils les ont remplacés par des visages plus familiers. Mais moi, je sais ce qu'on a fait et à quel prix. Et j'en suis fier.